Allez, vas-y, Eric. Yo, Arnold. Que dirais-tu d'un défi? Je te mets au défi. Prends tes canettes, Rick. On va prendre ça au sérieux. Ce jeu est facile. Il suffit de pousser la canette au-delà de la ligne. Plus on va loin, plus le score est élevé. Pas mal. Troisième ligne. Attends. Oh! Bye bye, la canette d'Arnold. Deuxième tour. Deuxième ligne. Pas mal. Je fais encore tomber ta canette. Désolé. 5 points. C'est ça. Bouge. Je vais te battre. Oups, ma canette est tombée. Ma dernière canette. J'ai plus de points. C'est fini pour toi, Rick. Qui peut le mieux sauter sur cette bouée? Debout. Assis. En plongeant. Au saut, les mecs! Ce nouveau défi est d'ouvrir une bouteille avec un katana. Rends-toi, Coca! Rick ouvre le Coca facilement. C'est peut-être un vrai samouraï? J'ai totalement assuré. Surprise! Un challenge pour les vrais hommes. Je te mets au défi de t'épiler le nez. Il suffit d'appliquer un peu de cire à l'intérieur des narines. On est prêt, c'est parti! Détends-toi et profite du soin. Et maintenant, on va compter jusqu'à 3. 1... 2... Regarde ce nouveau challenge, Rick! On doit tirer du dentifrice hors du tube. Peu importe où il atterrit, il faut boire à la paille le contenant correspondant. Compris? Armé? Feu! Le dentifrice d'Arnold a atterri dans la première section. Rick est passé entre la deuxième et la troisième. Joli! Encore un essai. Oups, j'ai raté. À mon tour. Oups, tout est sorti. Regarde, c'est pour toi. Non, je suis en train de mourir, Rick. Attends, Arnie. Maintenant, il est temps de boire les mystérieux liquides. Le premier est pour toi. Je vais boire le deuxième. Burk, c'est dégoûtant. Moi, j'aime ça. Prêt pour un nouveau défi, Rick? Tu vas adorer. Tu dois juste lancer les cuillères pour qu'elles finissent dans les tasses. C'est parti. Pas mal, Rick. 4 cuillères sur 5. À ton tour, Arnold. Je suis prêt. On va battre le record de Rick. Vous êtes prêts? Ouais, 5 sur 5. C'est la totale, Arnold. Tu as gagné ce round. L'araignée a choisi une nouvelle tâche horrible. Les cheveux et un balai de toilette sont une mauvaise combinaison. Prochain défi, se peigner les cheveux avec une brosse à toilette sale. Oh, quelle odeur intense! La chance sourit aux audacieux. Je serai courageuse aujourd'hui. Je vais imaginer que c'est un procédé biologique sain pour mes cheveux. Je ne peux pas supporter cette puanteur, il faut que je me lave les cheveux. C'est beaucoup mieux, je veux oublier ce cauchemar des toilettes. Nouvelle tâche, faire un smoothie avec tout ce qui est dans le frigo. Et bien sûr, le boire. Je te mets au défi. Voyons ce qu'il y a au menu. De l'ail, de l'oignon, des aubergines, une salade entière. N'oublie pas tes légumes verts. Il faut rester en bonne santé. Et un œuf, juste pour le fun. Waouh, ça sent fort! Ce smoothie est plutôt hardcore!
Ok, souhaite-moi bonne chance. Ouh, oh, oh, croyez-moi, personne ne devrait boire des smoothies comme ça. C'est l'heure du défi de la langue. Qu'est-ce qui va rester le plus longtemps? De la glace ou le piment fort? Ça, c'est dur. Ma langue s'engourdit. Hé, combien de temps, toi, tu peux faire tenir sur ta langue de la glace ou du piment? Dis-le-nous dans les commentaires. Je te mets au défi de mettre un escargot géant sur ton visage. Je déteste les escargots. C'est comme si un alien s'était attaché à moi. L'escargot me regarde avec ses quatre yeux. Au secours! L'escargot a posé tout son corps sur moi. Je ne dois tolérer ce massage gluant que pendant 2 minutes. Et le temps passe plus lentement que l'escargot. Oh non! Ne m'embrasse pas! Pas sur les lèvres! Pierre, feuille, ciseaux! Ram, shabadam, bam! Tu es le premier, Eric! Sors les balles! Le but de ce jeu est de faire rouler les balles en passant devant les canettes et les faire atterrir dans les petites boîtes avec le maximum de montants dessus. Mais pour ça, on doit déplacer la table. Waouh, 1 000 $! Maintenant, c'est à moi. Oh, j'étais si près du but. Courage, mec. Je vais te montrer comment faire. C'est pas possible, t'as toujours de la chance, Rick. À moi. À gauche. À droite. En bas. Ouais. Et une balle s'est transformée en 1 000 $. Maintenant, on est quitte. La nouvelle tâche est sous-marine. Arnold dessine sur le dos de Rick et Rick doit recréer l'œuvre d'art. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Dites-le nous dans les commentaires. On retient son souffle et c'est parti. Voyons voir à quel point le dos de Rick est sensible. C'est terminé. Alors devinez, Rick? Tu es le meilleur artiste sous-marin de tous les temps. Enlevez tous les cheveux de l'évacuation de la douche et utilisez-les comme une éponge de douche. Je te mets au défi. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Est-ce que ce sont mes cheveux? Je pourrais faire une perruque avec ça. Oh, c'est horrible. Je vais être malade. Mais au moins, je suis à la hauteur du défi. Celui qui peut dessiner ce poivron le plus vite gagne. Prêt? Dessine! Voyons qui est le meilleur en dessin. N'oublie pas les ombres. Encore une ligne et la tige. C'est fini. Moi aussi. Waouh! Là, on a besoin de votre aide. Dites-nous dans les commentaires lequel est le meilleur dessin, celui de Rick ou celui d'Arnold. C'est plutôt évident, le meilleur, c'est le mien. Tu as perdu, Arnold. Mange le poivron. C'est facile. Passez vite. Le perdant doit manger ce tout petit piment super épicé. Eh oui, tout pour le défi. Oh, je suis fier de toi, Arnold. Nouveau défi. Boire l'eau et ensuite retourner le gobelet. Celui qui gagne remporte du chocolat. Et si vous perdez, vous devrez manger un piment fort avec du citron. Arnold a réussi un gobelet. C'est parti pour le deuxième. Rick a réussi à en retourner un aussi. On se dépêche, mec. Arnold a réussi à retourner 2 gobelets. Il n'y en a plus qu'un. Arnold remporte ce défi.
Le chocolat est donc pour Arnold. Et le piment avec le citron est pour Rick. Désolé, ou pas. Je te mets au défi de faire une course d'obstacles avec des ballons et un casque à pointe sur la tête. Bien sûr, il ne faut pas faire éclater un seul ballon. Allez, c'est parti! On dirait un dinosaure qui s'est introduit dans la fête d'anniversaire d'un enfant. Mais finalement, on dirait bien qu'un seul ballon a survécu. Est-ce que j'ai réussi? Non. Vous avez aimé nos défis? Alors dites-nous ci-dessous lequel vous avez préféré. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche. Ne manquez pas les nouvelles vidéos fascinantes de Woohoo Wow Motion.